Can you point to anything in your current experience that is not taking place in awareness? Est-ce que tu peux pointer vers une expérience dans ton là maintenant qui n'a pas lieu dans la conscience? Non. Mais il y a un savoir. Mais il y a quand même l'existence d'une fabrication de verre. But still, there's a place where glasses are being made that exists concretely. What do you mean exist concretely? Qu'entends-tu par exist concrètement? You mean as solid and real as concrete? Tu veux dire aussi solide et réel que le béton? As opposed to awareness which is just fleeting and ephemeral? À l'opposé de la conscience qui est fugitive et éphémère. Est-ce que c'est sans ça? Doute ça doit être ça, oui. Yes, something like that. Is that your experience that awareness is fleeting and ephemeral? Est-ce ton expérience que la conscience est éphémère et fugitive? Oui. Describe to us the experience of the absence of awareness. Décris-nous l'expérience que tu sembles avoir de l'absence de la conscience. Je pourrais rapprocher de l'expérience du sommeil sans rêve. I could, as an analogy, it would be a sleep without dream, a dreamless sleep. Tell us about that experience. Parle-nous de cette expérience. C'est une expérience du rien. It's an experience of nothing. What was having the experience of nothing? Qu'est-ce qui a l'expérience du rien? What was aware of nothing? Qu'est-ce qui est conscient du rien? C'est quand je me réveille. It's when I wake up. No, I'm not asking you about the waking state. You were talking about deep sleep. Mais je te parle pas de l'état de veille, car tu parlais de l'état de sommeil profond. Tell us about your experience of the absence of awareness in deep sleep. Parle-nous de l'expérience de l'absence de la conscience dans le sommeil profond. Moi, ouais, c'est du rien. C'est du rien. But it's nothingness. What is aware of nothingness? Et qu'est-ce qui... You claim it is nothing. You must be aware of nothing. Si tu dis que c'est rien, c'est donc que tu dois être conscient du rien. What is aware of nothing? Consciente. Qu'est-ce que c'est qui est conscient du rien? How do you know it was nothing? Comment tu sais que c'était rien? You must have been there to witness it. T'as dû être là pour en témoigner. What was there to witness it? Qu'est-ce qui était présent pour en témoigner? You see, the waking state mind says it is nothing. Tu vois, c'est le mental à l'état de veille qui dit c'est rien. Because the waking state mind only knows objects. Parce que le mental de l'état de veille ne connaît que les objets. So it imagines that the absence of objects is nothing. Et donc il imagine ce mental que l'absence d'objets c'est rien. But the absence of objects is not nothing. L'absence d'objets c'est pas rien. It is pure consciousness. L'absence d'objets c'est la conscience pure. Imagine a teenage boy watching TV. His mom comes in and says, "What are you watching?" Imagine un ado qui regarde la télé. Sa mère arrive et lui demande, "Qu'est-ce que tu regardes?" And he says, "Match of the day." Et il dit le match de foot. And then an hour later, his mom comes in and says, "Now what are you watching?" Et une heure plus tard, sa mère revient lui demander maintenant, "Qu'est-ce que tu regardes?" And he says, "Breaking Bad." Et il dit Breaking Bad. And then an hour later, his mum comes in, and the Breaking Bad has finished, and she says to him, "What are you watching?" Et une heure plus tard, la même chose. Sa mère lui demande, "What are you looking at?" Qu'est-ce que tu regardes? And he says, "Nothing." Et il dit rien. No, he's looking at the screen. Mais en fait, c'est pas vrai. Il regarde l'écran. But there's nothing on it. Mais il y a rien sur l'écran. So in comparison to Match of the Day and Breaking Bad. Donc he thinks he is seeing nothing. Si son mental compare avec Breaking Bad ou le match de foot, no, il pense qu'il ne voit rien. He's seeing the screen. Mais en fait, il voit l'écran. That's how the waking state mind views deep sleep. Et c'est que, ça, c'est le point de vue du mental à l'état de veille par rapport
à l'état de sommeil Because profond. There are no objects there, it says it is nothing. Parce qu'il n'y a pas d'objet présent dans le sommeil profond, le mental dit c'est rien. But it is not nothing, it is consciousness. Mais ce n'est pas rien, c'est la conscience. Now, go back to your experience. À présent, reviens à ton expérience. And ask yourself the question, have I ever actually experienced the absence of awareness? Et pose-toi la question, ai-je jamais fait l'expérience de l'absence de la conscience? If you've never experienced the absence of awareness, why do you believe there is such a thing? Donc si tu n'en as jamais the absence of awareness. Si tu n'en as jamais fait l'expérience, pourquoi y crois-tu à cette absence de conscience? Just because our culture tells us that awareness is something fleeting and ephemeral. La raison, c'est que notre culture nous dit que la conscience est éphémère et fugitive. And we believe in it. Et on y croit. But as soon as we look, if we take 10 minutes to explore our experience, mais si on prend 10 minutes à explorer notre expérience, we discover that we have never had the experience of the absence of awareness. On découvre qu'on n'a jamais eu l'expérience de l'absence de la conscience. Nobody has ever had or could ever have such an experience. Personne n'a jamais eu ou pourrait ne jamais. Personne n'a jamais eu cette expérience et c'est pas possible de l'avoir. Have you ever experienced the beginning of awareness? As-tu déjà fait l'expérience du début de la conscience? Did you ever notice it starting? As-tu déjà remarqué la conscience qui commence? I'm okay. Not understanding the questions. Okay. You understand what I mean by awareness or being aware. Tu comprends ce qui est entendu par la conscience ou être conscient. Have you ever experienced awareness beginning? Est-ce que tu as déjà fait l'expérience de la conscience qui commence, qui commencerait? Pas de conscience et puis conscience. J'ai fait l'expérience de dévoilement, de quelque chose qui se dévoile. I have experienced an unveiling, yes. Something that veils and unveils. Yes, that may be so. Oui, ça c'est peut-être. But the actual experience of being aware itself doesn't start or stop. Mais l'expérience d'être conscient elle-même, elle ne commence ni ne finit. So although we believe that awareness is ephemeral and fleeting, et bien qu'on croit que la conscience est éphémère et fugitive, it is our experience that it is in fact ever present and that it doesn't start or stop. En fait, notre expérience nous dit qu'elle est toujours présente et qu'elle ne commence pas et elle ne finit pas. It wasn't born and it doesn't die. Elle n'est pas née et elle ne meurt pas. And in fact, this solid world made out of concrete, made out of matter. Et qu'en fait, ce monde solide fait de béton et de matière. Which thought tells us is solid, permanent, reliable. Que la pensée dit être solide, permanente, dont on peut dépendre. Our only knowledge or experience of it is a series of perceptions. Notre seule expérience et notre seule connaissance d'un tel monde, c'est une série de perceptions. How long does a perception last? Combien de temps dure une perception? Roughly. En gros, grosso. 4 or 5 seconds. 4 à 5 secondes. It is our perception of the world that is ephemeral and fleeting. C'est donc notre perception du monde qui est éphémère et fugitive. It is our experience of consciousness that is stable and lasting. C'est notre expérience de la conscience qui est stable et qui dure. So we shouldn't say as solid as concrete, we should say as solid as awareness. En fait, on ne devrait pas dire solide comme du béton, on devrait dire solide comme la conscience.
I know that what I am suggesting is a total affront to common sense. Je sais que ce que je suggère est un affront au sens commun. To the evidence of our senses. À l'évidence que nous proposent nos sens. But as Einstein said, common sense is just a series of prejudices that we inherit by the age of 18. Mais comme l'a dit Einstein, le sens commun, c'est juste une série de préjugés dont on hérite, on a fini d'en hériter à l'âge de 18 ans. I'm not suggesting that to come back to your question about the glass. Et je ne suggère pas, pour revenir à ta question à propos du verre. I'm not suggesting that all there is the content of the finite mind. Je ne suggère pas que tout ce qui existe, c'est le contenu d'un mental fini, limité, pardon. Each of our finite minds are just a very narrow segment of the total field of infinite awareness. Chacun de nos mentales individuels est un tout petit segment du champ infini de la conscience. I'm not suggesting that the glass is not real. Je ne suggère pas que le verre n'est pas réel. It is real. All experience is real. Il est réel. Toute expérience est réelle. But the question is, what is that reality made of? Mais la question c'est, de quoi est fait cette réalité? A mirage in a desert is a real experience. Un mirage dans le désert, c'est une expérience réelle. What is it made of? De quoi est-elle faite? It seems to be made out of water. Semble être faite d'eau. Relatively speaking. But when we explore it, we realize it's made out of light. D'un point de vue relatif, elle semble être faite d'eau, mais quand on explore l'expérience, on voit que c'est fait de lumière. Likewise, all of this experience that each of us is having now is real. Pareillement, l'expérience que nous avons tous ici, maintenant, est réelle. There's no such thing as an unreal experience. Il n'existe pas quelque chose, une expérience qui ne serait pas réelle. But the question is, what is the reality of experience? La question c'est, qu'est-ce que c'est que cette réalité de l'expérience? What is the world made of? De quoi est fait le monde? Matter is a worn out concept. La matière, c'est un vieux concept usé. Physicists have never found it. Les physicistes ne l'ont jamais trouvé. 100 years or so ago, there was this great discovery that what we see out there depends on observation. Il y a une centaine d'années, on a fait cette grande découverte dans la science que ce qui est observé dépend de celui qui observe. Observation is part of the observed. Que l'objet observé fait partie de l'observateur. This was a great moment in physics. C'est un grand moment dans la physique. The acknowledgement that consciousness is implicated. That consciousness is involved in what we call the world. L'admission que la conscience est impliquée dans ce qu'on appelle être le monde, ce qu'on appelle le monde. The world is not the way classical physicists thought of it. Le monde n'est pas tel que les physiciens classiques le concevaient.